Salut à Sentinelle. Tous. Sentinelle. Franc-tireur. Mais qu'est-ce que je fais? Commando. Beau gosse. Psionique. Saboteur. Psionique. Psionique. Alors, à votre avis, commando. Lequel je vais psionique. Prendre? Commando. Franc-tireur. Commando. Sentinelle. Sabote. Classe non. Choisie. Sélectionnez. Psionique. Classe choisie. Psionique. Yes. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Voici un individu au passé trouble. Jeté contre son gré sous le feu des projecteurs d'une histoire qui a déjà commencé. Oups. Est-ce qu'il est beau gosse, hein? Et j'ai réglé le souci de dents, en fait. J'ai pris une version que, du coup, les dents se voient pas trop. Parce que sinon, c'était une version autrement. Let's go! Nous sommes déjà à une intersection. Choisir un chemin dans la vie. Ça se résume à prendre une décision ou arrêter de vivre. Toutefois, pour vous, ce n'est pas qu'une intersection. C'est aussi un choix, le reflet de votre qui, l'énergie primitive qui s'écoule dans tout ce qui nous entoure. Je me présente. Je suis la lumière, ton côté clair, ta voix intérieure, plus précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actions au fil de ta quête. Ouais, je dirais plutôt que t'as pas grand-chose dans la tête. Mais tu finiras par changer d'avis. Changer d'avis? Mais pourquoi changer quoi que ce soit quand on a d'aussi bons instincts? On ne peut pas combattre sa propre nature. Sa nature? Et moi qui pensais qu'on était pour la sélection naturelle, la survie du plus fort et tout ça. Si ça, c'est pas de l'instinct, alors je sais pas. La sélection naturelle, c'est une question d'évolution et de progrès. Dès qu'il y aura assez de lumière, les ténèbres disparaîtront. La droite est toujours le droit chemin. D'accord. Celui-là, il me plaît, ce mutant-là. Il faut pas que je le foire. Faut que je sauvegarde, parce que ça fait plusieurs fois que je recommence pour avoir un bon et c'est galère. C'est les dents qui me gênaient en fait, qui étaient trop cadavres abandonnés. Un rappel que nous sommes à la merci de la nature et la proie des uns et des autres. Vous souvenez-vous de la bête qui a brisé votre famille? Ou avez-vous choisi d'oublier? Vous avez tourné le dos au monde et erré en solitaire pendant que le prédateur devenait plus fort. Je fais semblant de caresser. Ah, c'est chiant, c'est... Attendez, parce que... Il y a un machin qui me demande de faire des combinaisons et je retiens. Bon. Oh. Oh, tu me fous la paix. Bon, faut nous appeler. C'est chiant hein, le tutoriel. Alors, B.
X. Ouais. Ah, X. Voilà. Vous feriez mieux de prendre vos jambes à votre cou. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit de mettre fin à cette histoire. Mais je me vois pas là, en fait, je suis coincé entre des murs. Ah, là. Oups. Mais putain! Voilà. Galère, 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 allez-vous, galère. Et oui. Saucisse grillée pour tous. Saucisse grillée pour tous. Ah là, j'aime bien mon petit personnage, il est plaisant. C'est pour ça que là, cette fois-ci, on va pas faire n'importe quoi. Il faut arriver à un point de sauvegarde. Parce que la dernière fois, je l'avais pas fait. Hein. Puisque je... Il fallait mieux s'enfuir pour cette fois. Mais ce n'est que partie remise. Espérons que vous serez à la hauteur le moment venu. Le prédateur n'est pas la seule menace. La faune et la flore ont commencé à muter quand la fin des temps a commencé. Et l'arbre de vie a commencé à dépérir. Oui. C'est quoi? Trouver une modification d'effet d'armes attachées suivant. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Oui. Saucissonnez-vous. LOL. Les cuvettes, il y avait un truc dans les cuvettes. C'est drôle, c'est fun. Ta saucisse grillée. Pour tous, pour tous. Je lis même pas parce que je m'en branle. Oula, instantanément. Il a récupéré le truc instantanément, c'est incroyable. Je sais même pas si vous m'entendez correctement en fait. Normalement oui, c'est bon, vous devez bien m'entendre. La mélasse est partout. Pour certains, cela signifie la mort. Mais d'autres se sont adaptés à ce nouvel environnement et ont changé avec. C'est la loi de l'évolution.
Vous avez vu comme je joue mal? Tu m'étonnes que j'ai pas... Voilà quoi. C'est pour ça que je dis que... Voilà quoi. Je vais pas prendre autre chose, je vais pas me casser le cul. Je vais aller où? Le jeu est beau en tout cas, hein. Ça c'est... Y a rien à dire. Voilà, j'ai tué tout le monde. C'est génial. Par contre, je ne sais pas où aller. C'est encore plus génial. Oui, je galère avec les... tout seul le con. Il est un peu débile, il s'est tué tout seul. C'est vraiment une saucisse grillée. C'est de l'eau, bravo. Félicitations, c'est de la eau. C'est quand ma sauvegarde? Oui. Oui, pressé. Il est saucissonneur professionnel. Je dirais, tu joues en facile, c'est tout facile. Ah ouais. Mais moi, en fait, mon but, je suis pas quelqu'un féru de la difficulté, en fait. C'est juste tranquille. Donc ouais, c'est clair que je suis pas du tout un... C'est pas un let's play d'hardcore, ici. C'est juste pour l'histoire et pour le plaisir de jouer comme ça, tranquille, en pépère. Non, non, en mode passif c'est difficile donc tu vois. Ah.
Je sais pas à quoi sert tout ça. Tiens, une boîte d'urgence du temps d'avant. C'est plutôt rare. Du temps d'avant. Ouais, il veut vraiment faire croire qu'il y a eu faim, quoi. C'est quoi? Non, c'est pas ça que je veux. Alors, oui. Sauvegarder la partie, oui. Oh, en effet, serait-il temps. Vous allez me dire pourquoi tu fais ce de sauvegarde. Ça, c'est une sécurité anti-corruption, en fait. Ça évite de tout perdre. Parce que vu que c'est sur une sauvegarde en cours, si au cas où il y a une corruption, ben, l'autre ne sera pas touché. C'est une sécurité. J'ai toujours fait ça depuis le début. Ce tuyau a l'air fragile. Pourquoi ne pas essayer le pied de chiche? Oui, comme vous vous en doutez, je dis, pour un mec qui est nul, t'as quand même des bonnes idées ou pas. X. Ok. Wow. Il est temps de trouver un moyen de sortir d'ici. Sérieusement. Ça me fait chier. Pas qu'on s'emmerde, mais on se chie. Sérieusement. Personnage. Oui, je sais, c'est pour ça que je viens voir. Force. Intelligence, agilité, charisme. Donc ici, on va mettre plus costaud que jamais. Voilà. Allez. Je sais pas ce que je fais, hein. J'ai pris au hasard. Comment on quitte maintenant? Oui. Hein, j'allais dire, on s'est pas quitté. Hein? Sauvegarde automatique. Oui, oui, c'est bien, tu sauvegardes. Mais je vais faire manuellement, moi. Il y aurait pas moyen de désactiver la sauvegarde automatique, d'ailleurs, en parlant de ça. J'aime pas les trucs de sauvegarde automatique. Jeu. Non, il y a pas. Bon, tant pis, hein. Il devra se taper à sauvegarde automatique qui n'est pas toujours très rassurant. Mais rien à foutre, moi. En fait, je vais écraser. Oui. Ça facile, facile, difficulté, difficulté du pauvre, je sais, ça vous fait pas plaisir, je sais, c'est pas fait pour ici, on n'est pas dans du hardcore, hein, sérieusement, on est dans du petit jeu en mode tranquille et pas du tout hardcore. Oui, bon, j'ai un peu foiré mon saut. On va un peu regarder s'il y a des trucs. Non. Mais il est trop beau, mon dragon, mon personnage. Il est bien fait, hein. Je le trouve génial. Il a tous les compromis maximum. Les morques produisent de la biomatière dans les multi-organes qu'ils perdent sous le stress. Ces blobs affectent les brins codants cellulaires de tout être vivant qui les absorbe, y compris vous. Thank you.
on va les dépenser pour tout peut servir. Je regarde un peu ce qu'il y a. C'est dans vos cordes. Merci. Mais ta gueule. Non, je suis con. Bah oui, c'est ça, voilà. C'est Biomutant en version gameplay tout mou. Voilà. C'est le principe de ma chaîne, hein. Tout est en mode mou. C'est-à-dire le plus facile qu'on peut avoir. Toxanol a bâti des vaisseaux baptisés Arche, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard? Grâce aux journaux de bord de l'unique Arche qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. Je ne sais pas de quoi il parle, mais ok. Ouais, on verra plus tard pour les trucs. Ouais, je pense qu'on va se quitter ici parce que j'ai des trucs à faire. En tout cas, ce petit gameplay là, j'espère qu'il vous a plu. Donc c'était Biomutant, Biomutant quoi. Ce qu'on peut faire aussi éventuellement, c'est peut-être la photo. Hein. Bon après, en soi, j'ai pas vraiment l'endroit où je peux me mettre, donc ce sera ici qu'on la fera. Voilà. Et ce qu'on va faire, en fait, on va le faire ensemble. C'est la photo. Je ne sais pas où c'est. On va d'abord sauvegarder, c'est déjà pas mal. Ah non. Ouais. D'abord sauvegarder. Écraser. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est sauvegarder. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le mode photo. Je regarde comment ça fonctionne. Parfait. Ah. J'essaie de trouver un truc intéressant. Je sais pas trop si on va trouver. Ouais, mais ça on fera dans l'autre. Donc l'idée c'est de faire un truc comme ça pour que après derrière je peux mettre Biomutant. Donc ouais, un truc dans le genre. Et comment on a. Ah. Et comment on fait pour faire la photo, connard? Ouais, c'est bien, mais. On peut pas faire la photo. Masqué. Ah, il faut le faire manuellement en fait. D'accord. Donc en vrai, c'est pas une vraie photo. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, portez-vous bien.